Hôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, la CEDEAO avoue sa défaite. La CEDEAO ne sait pas, en fait, comment dire, comment annoncer le fait qu'elle est en train de démobiliser les soldats. La CEDEAO était partie trop vite en besogne. Elle a suivi Emmanuel Macron, qui lui-même ne comprend pas l'Afrique. Parce que Emmanuel Macron ne comprend en tout cas rien de ce qui concerne l'Afrique. Lui, ce qu'il comprend, c'est comment il faut faire pour piller un continent. Mais quand un continent se réveille, quand une jeunesse s'éveille, eh ben, il ne comprend plus rien. Il a amené la CEDEAO en erreur. Il a mené la CEDEAO en bateau. Il a piégé la CEDEAO en faisant croire à Tinubu et à Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, que les solutions à l'africaine, ça ne marche pas. La vraie solution, elle doit venir de l'étranger, de la France, et notamment des pays européens et de l'OTAN. Alors que la solution à l'africaine, c'est celle qui devrait s'appliquer puisqu'il s'agit d'un problème africain. Chaque fois que les Africains vont aller chercher des solutions à l'étranger, ça va toujours se retourner sur eux-mêmes. On ne peut pas, dans une situation comme ce qui s'est passé au Niger, décider de façon brute qu'il faut intervenir militairement pour ramener Bazoum au pouvoir. Alors que nous savons qu'en Afrique, là, il n'y a que des coups d'État. Si ce n'est pas un coup d'État institutionnel, c'est un coup d'État électoral, c'est un coup d'État militaire, c'est un coup d'État. On ne vit que de ça. Si vous regardez bien l'histoire du continent africain, des pays africains, vous n'avez que ça. Et qui nous a appris ça? Mais ce sont les mêmes occidentaux. Dans les pays francophones, c'est la France qui a initié les coups d'État. Le premier coup d'État en Afrique a été organisé par la France. Donc, maintenant, le problème, c'est que nous, on a pris goût. Et maintenant, on n'a même plus besoin de la France pour organiser un coup d'État. Parce qu'avant, quand il y avait un coup d'État, qu'est-ce qui se passait? On devait demander l'autorisation de la France. Si vous ne demandez pas l'autorisation de la France, elle va bloquer les finances, le CFA et autres, bloquer votre compte... comment ils appellent ça, votre compte d'opération, et puis bon, vous mettre mal à l'aise. Mais maintenant, les gens peuvent se passer de ça. Parce que les gens n'ont même plus besoin du FMI aujourd'hui. Le FMI, la Banque mondiale, on s'en fiche éperdument. Vous voyez, le Mali, il fonctionne, il n'a pas besoin de l'aide du FMI, de la Banque mondiale. Le Burkina Faso est en train de suivre la même lignée. Le Niger fera la même chose. Et ça marche très bien. Et ils sont même mieux organisés sans ces institutions internationales bidons, hein, ces chiffons, ces torchons, qu'avec ces institutions. Donc, Emmanuel Macron a manipulé Tinubu et Tinubu s'est rendu compte que, mais il ne peut pas faire une guerre contre le Niger. Parce que les populations qu'il y a au Niger, là, au Nigeria, ce sont les mêmes qu'on trouve au Niger. C'est pareil pour Patrice Talon. Vous avez vu Patrice Talon, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que, eh bien, les militaires ne veulent pas aller en guerre. Les militaires B
Béninois ne veulent pas aller en guerre au Niger. Ils ne veulent pas. Donc Patrice Talon se retrouve seul. Se retrouve à moins qu'il porte l'uniforme lui-même. Alassane Ouattara a pris des soldats qui sont au Bénin. Macky Sall, pareil, des soldats qui sont au Bénin. Mais de plus en plus, c'est impossible, puisque les soldats français qui ne devraient pas partir pour les aider, ils sont partis. En tout cas, il reste peut-être 500 qui sont encore sur place, mais ils sont en train de partir. Et au Tchad, le Tchad avait déjà dit qu'il ne va pas laisser la France intervenir au Niger. Malgré le fait que, comment vous l'appelez, Kaka Déby est allé à Paris tout récemment, certainement que Macron voulait essayer de forcer la main, mais ce n'est pas passé, et que, il est obligé d'admettre qu'il ne peut pas faire une guerre, et s'il fait la guerre, il va avoir une raclée qu'il n'oubliera jamais, qui restera dans les annales de l'histoire. Parce que n'oubliez pas que Haïti avait déjà battu la France. À l'époque, c'était la première puissance mondiale. Combien de fois cette France qui n'est même plus capable de tenir une guerre conventionnelle pendant 4 ou 5 jours. Emmanuel Macron a pris sa flotte, son navire, son navire militaire là, qui est venu sous prétexte qu'il vient pour faire des exercices en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire avec la flotte là, ce bateau là pourra naviguer sur le désert. Vous croyez que c'est possible? Parce que la frontière du Bénin là, elle est bien fermée. Hein? Et si Emmanuel Macron ose rentrer là-bas, mais Poutine va venir. Poutine viendra lui donner une leçon sur place. Parce que celle qu'ils sont en train de recevoir en Ukraine, là, ça ne suffit pas. Ils veulent venir encore recevoir une autre, là, comment vous appelez ça, au Niger. Tant mieux, nous, on attend que ça. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez entendu, vous avez suivi, regardé Macky Sall, qui était en Côte d'Ivoire tout récemment, vous rencontrez Alassane Ouattara. C'est pourquoi? Mais c'est pour parler de la démobilisation. Ils ont honte. Ils ont honte, ils sont confus. Ils ont brandi la menace comme s'ils étaient puissants. Des pays qui n'ont pas d'armée. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, même le Nigeria. Ce n'est pas des pays qui ont une armée. Le Nigeria a beaucoup de militaires, mais ils ne sont pas équipés. Parce que s'ils étaient performants, ils auraient dû régler le problème de Boko Haram. Boko Haram au Nigeria, là. Il y a le Nigeria, il y a le Niger, il y a le Cameroun, il y a même le Tchad qui combattent là-bas, Boko Haram. Ils n'arrivent tous, ils n'arrivent pas. Alors qu'on voit aujourd'hui, le Mali, aujourd'hui, a récupéré plus de 80%, 90% de son territoire. Ce qui reste actuellement, ce n'est que la ville de Kidal. C'est tout. Et s'ils n'ont pas lancé l'assaut dans la ville de Kidal, parce qu'ils ne veulent pas faire trop de dégâts, collatéraux, c'est tout. Si ce n'est qu'à cause des rebelles, on en fait une bouchée. Vous voyez, donc aujourd'hui, là où il y a des armées, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, et puis on est en train de voir le Niger qui est en train de venir aussi avec son armée. Mais le reste des pays là, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, machin, ce n'est pas des armées, ils n'ont pas d'armée. La France n'a jamais créé des armées en Afrique, parce que la France avait une politique où il ne faut pas qu'ils aient des armées, de telle sorte que chaque fois qu'ils ont un problème, c'est nous qu'ils doivent faire appel à nous pour venir les aider, et nous on va venir piller. C'était ça le règlement. Mais maintenant que le Mali a compris, le Burkina a compris, le Niger aussi est en train de comprendre, ils ont changé de tactique, et la France est maintenant, elle ne sait plus sur quel pied danser. Voilà le vrai problème. Et on va de plus en plus vers la création d'une monnaie dans le Liptako Gourma. On va vers la création d'une monnaie. Là, ça va donner encore le dernier coup mortel pour la France. Donc voilà, aujourd'hui, la CEDEAO s'est fait avoir par Emmanuel Macron.
Et que maintenant, la CEDEAO ne sait plus comment annoncer au monde entier que nous ne pouvons pas intervenir. La CEDEAO n'avait même pas compris que pour intervenir, elle devrait forcément avoir l'aval de l'Union africaine et l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et que la Russie n'allait pas donner son avis. Que pensait Tinubu? Que les Russes, là, allaient suivre les Américains? Les Russes n'ont pas peur des Américains. C'est eux qui ont peur des Américains. Mais les Russes, là, ils ne sont pas complexés. Ils sont plus complexés. Et ils sont capables de les affronter. Et d'ailleurs, ils affrontent déjà les États-Unis et ses alliés de l'OTAN dans la mer Noire. C'est la Russie qui contrôle maintenant la mer Noire. Odessa est pratiquement occupée. La Russie a pris Odessa. Donc la mer Noire, l'Ukraine n'a plus d'accès à la mer Noire. Voyez comment les États-Unis ont amené l'Ukraine dans une erreur. Bref, la CEDEAO s'est trompée. La CEDEAO a voulu faire confiance à ses Occidentaux. Elle n'a jamais compris que ce sont ces mêmes gens-là qui ont amené le terrorisme en Afrique centrale et plutôt en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'ils ont intervenu en Libye et ils ont pris les terroristes, ils les ont envoyés dans le reste dans le Sahara et dans le golfe de Guinée. Voilà les terroristes. Donc ce sont eux-mêmes des terroristes. Maintenant, vous venez vous allier à eux, vous venez les écouter parce que vous voulez montrer que vous avez des ailes, vous êtes fort, parce qu'on vous a promis quelques aides financières. Non, ça ne marche plus comme ça. Et je suis surpris que même le Nigeria, un grand pays comme le Nigeria, est tombé dans ce piège. C'est incroyable. C'est incroyable, les Africains. C'est-à-dire que tu as l'argent, tu as tout, la première puissance économique d'Afrique. Tu n'es pas capable de prendre tes décisions toi-même. Tu as besoin de l'aide des autres. Le Nigeria vaut mieux que la France. Je dis bien, le Nigeria là, est plus puissant que la France. Économiquement parlant. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veillez mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.